regarde. Salut, Emma. C'est ce qui t'attend là-bas. Oh, arrête, tu m'attends pas. Maman, t'as acheté du chocolat? Non, mais on a une surprise pour toi. Oh, oh merci, maman. C'est exactement ce que je voulais. Vas-y, souris. Non, moi, je voulais sortir samedi soir. N'y pense même pas. Les sorties, c'est fini. Allez, va, vas-y. Alors, ta fille de 15 ans se fait pleuter devant tout le monde et toi, tu trouves ça sain? Les ados s'embrassent. C'est même leur premier but dans la vie. Je crois qu'elle a déjà... Ça, j'en sais rien, elle m'a rien dit. Oh, désolée, mais je peux pas venir, là. Je suis trop malade. Tu es enceinte, Clémentine. T'as déjà avorté? Pourquoi tu me demandes ça? Je sais pas, t'as couché avec plein de mecs. C'est des choses qui peuvent arriver, non? Bah vas-y, ouais, traite-moi de pute aussi. Dis-moi ce que je peux faire pour t'aider, hein? Rien du tout. Je te connais, je vois bien qu'il y a quelque chose. Tu sais que tu peux tout nous dire à maman et à moi. Tant que tu te drogues pas et que t'es pas enceinte. Non mais attends, c'était de l'humour là, Clem. Je vomis, je grossis, je suis fatiguée. Et vous, vous avez rien vu? Ta mère, elle a pris rendez-vous chez le médecin, il a dit que tu allais bien. Et que je suis enceinte. Quoi? Mais t'es carrément énorme, t'aurais pas déjà dû accoucher? C'est un petit garçon. Un petit garçon. Oh maman, je t'en prie. Vraiment, vraiment désolée, mais je peux rien faire pour toi. Si je le dis à mes parents, ils vont me tuer et... J'en veux pas, moi, ce truc-là dans mon ventre.